attendre que les gens se connectent. Moi, je vois rien. Tu vois quelque chose? Alors ici, moi, je vois que tout est bon dans dans ce que Franny m'avait expliqué. Je vais aller Mais voir si... la personne que la Fran, il doit commencer ça pour toi. D'accord, je vais lui dire. Ah, il me dit qu'on est en live. Voilà, je nous vois. C'est bon. Ah oui, très bien. On y est. Bon. Oui, commence. Parfait. On va attendre un tout petit peu que les gens se connectent. Hein. On va laisser quelques secondes. Je vais enlever Your ça. live is interrupted. Ici, moi, je le vois, donc... Moi aussi, tu peux C'est bon. commencer. OK. Oui. Bonjour à tous. Je suis donc Chris, la photographe Little Dream Photography, et je viens de Belgique. Buenas tardes a todos. Soy Chris y os llamo desde Bélgica. Alors moi, je suis spécialisée dans les photographies de maternité et de nouveau-né, mais Estoy aussi... especializada en la fotografía de maternidad, bueno, de embarazo y de recién nacido. Et alors, je fais aussi les enfants et les familles quand j'ai des demandes particulières par rapport à ce domaine-là, évidemment. También fotografío a los niños y a las familias si hay una demanda. Alors, moi, j'aime un petit peu la photographie un peu féerique, un petit peu douce, avec une peau un petit peu velours, des accessoires un petit peu princesse, etc. Me gusta mucho el estilo de fotografía que es un poco del cuento de hadas. Alors donc, ce que je commence à faire, ce que j'ai commencé à faire quand j'ai ouvert le studio, j'ai cherché la vision que je voulais vraiment créer pour mes clients et le type de photographie que je voulais proposer. Cuando abierto el estudio es este tipo de fotografía que propuse a mis clientes, unas fotografías con mucho atrezo y con un sentido de un cuento de hadas. Alors, j'essaye de fournir à mes clients des images qui représentent mon style, évidemment, et qui peuvent aussi s'adapter à leurs envies. On en discute ensemble et on adapte la séance avec le style des clients, tout en restant dans ce que j'aime faire et dans ma touche artistique pour que ça soit reconnaissable. Me importa mucho que mi estilo sea reconocible, pero también tengo que decir que me adapto a lo que quieren los clientes. Me gusta fotografiar con mi estilo fotográfico, pero si hay clientes que desean un estilo particular diferente, pues me adapto a ellos. Voilà, donc pour la séance maternité, ce que je trouve très important, c'est de pouvoir créer une connexion ou une émotion entre la maman et le futur bébé qui est dans son ventre. Lo que me importa a nivel de la fotografía de embarazo es conseguir a fotografiar la conexión entre la madre y su futuro bebé. Alors, je personnalise les séances avec différents accessoires que je rajoute au fur et à mesure du shooting. On commence de façon très simple et puis alors on ajoute en fonction des goûts des clients des couronnes, des fleurs, d'autres accessoires pour leur donner des images différentes. Intento que cada sesión sea producir las imágenes diferentes por eso durante la sesión cuido mucho los detalles para que cada cliente tenga los atrezos particulares para su sesión, que sea diferente. Un momento, por favor, que tengo que responder al Frano. On va attendre que Franny réponde.
Sí, Chris, puedes silenciar un momento. Tienes que hacer la pantalla 2 veces pequeñita porque esconde. Excuse moi. Il y a OBS qui est trop grand. On ne voit pas eso es. Y aussi, est-ce que tu pourras le minimiser? Parce que ce qui se voit, c'est aussi le mot-clé. Et ça, c'est pas bon, ça. Voilà. Un petit plus, parce que se voit OBS se voit. Tu peux le minimiser, s'il te plaît? Voilà, je l'ai mis en bas et on se voit toi et moi comme ça. Non, mais se voit OBS, ça ne devra pas passer. Alors, il faut minimiser OBS. Moi ici, il est caché, masqué. Oui, c'est ça. Ah, si, très bien. Voilà. Très bien. Et je pense que si tu as une conversation avec Franou, t'as mieux, il faut la fermer. Non, minimiser ça. Minimise. Voilà, ici, moi, il est caché maintenant. Très bien. Voilà. On peut avancer. On Très recommence. bien. Alors, Merci. On donc, recommence. dans les images que je vais montrer ici en dessous, on commence par des images alors plutôt classiques, comme j'ai expliqué, avec juste la maman, la robe et le fond. Et alors, on essaie de créer l'IA avec les yeux, et j'aime bien qu'elle ferme les yeux pour avoir un esprit un peu serein, comme si on pensait au bébé et qu'on était très serein, en fait. Très bien. En las imágenes que voy a mostrar abajo, las poses son clásicas, solamente con la mamá, con un vestido y con el fondo. Pero he creado como una conexión entre la mamá y el bebé porque le he pedido que mire a su barriga. Me gusta mucho cuando ellas cierran los ojos y eso hace que la mamá parezca más serena en conectada con su bebé. Alors, ce qui est très important aussi, c'est la lumière. Lo que es muy importante es la luz, por supuesto. La façon dont on va éclairer va aussi pouvoir créer ce lien. Et les regards, on peut aussi leur demander de nous regarder pour avoir quelque chose de plus direct avec la personne qui est en face. Donc, en l'occurrence, le photographe, mais aussi c'est celui qui va regarder la photo plus tard. A veces pido a mamá que mire a su fotógrafo y eso me gusta también tener la conexión con ella. Donc voilà, je montre quelques images où la maman est seule. Donc Voy a mostrar algunas imágenes donde la mamá está sola. j'essaye de varier un petit peu les poses aussi, autant au niveau du regard qu'au niveau des mains, puisque les mains vont faire la connexion aussi. Intento de variar las imágenes con las poses y con la mirada. Alors, donc on peut rajouter des accessoires pour créer une connexion différente, comme j'expliquais tout à l'heure. Como he dicho antes, podemos añadir algunos atrezos para variar las escenas. Donc ici, j'ai juste rajouté un morceau de tissu en plus de la robe qui est à part pour créer quelque chose de plus retombant et plus doux encore que la robe seule. C'est où le tissu? Il est sur les bras, il passe derrière la maman sur les bras et il retombe le long de la robe. Ça ne fait pas partie de la robe, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Ah, vale. Entonces, habéis podido apreciar en una imagen, en esta, que a veces me gusta también añadir un trozo de tela que no hace parte del vestido, pero es algo suave y añade suavidad a la imagen. Donc pareil, ici la main s'est décollée du ventre pour venir plutôt tenir le tissu, pour avoir quelque chose d'encore une fois très doux au retombé le long du corps, pour avoir quelque chose de plus féerique, enfin je trouve plus féerique comme ça. Este trozo de tela que es muy suave da un tacto como de una hada Donc a la imagen. les traînes des robes ou le tulle, etc., sont des accessoires qui font à part entière du shooting. Donc on peut utiliser la robe aussi comme accessoire directement. On n'est pas obligé de laisser toujours la robe classique. On peut l'utiliser, la tenir en main, la mettre en l'air, lui donner du mouvement, etc.
Vale, pues no solamente utilizo los vestidos, pero también telas sueltas, tulle, no sé cómo se dicen los trenes, pero bueno, son las cosas que van atrás de un vestido, como un vestido de novia, y las coronas también utilizo mucho. Voilà, donc un exemple ici Este es un d'utilisation. ejemplo. Donc ici, j'ai rajouté en plus de la traîne dans la main une couronne de fleurs ¿Dónde está? ¿Se usa la couronne de fleurs? sur la tête, ici. Mais je ne la vois pas. Ah, il y a peut-être un retard par rapport à ce que je montre. Oui, je crois qu'il y a un retard. D'accord. Entonces, sigo, porque lo siento mucho. A veces me paro porque hay una diferencia de algunos segundos entre ver la pantalla y escuchar sus palabras. Entonces, ella también añade las coronas. Ahí está la foto con la corona. Añade las coronas de flores para dar un tacto de una foto de una hada. Alors, pour donner aussi de la variété aux clients avec les images, il faut penser à donner différentes prises de vue et pas hésiter à recouper un petit peu le cadre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rapproché ou avec des angles différents pour pas toujours avoir la même vue et leur proposer la même chose à chaque fois. Donc, je leur propose des angles différents de face plus rapprochés en contre-plongée, donc ça veut dire par le haut. D'accord. También para variar, no solamente vario las poses, pero también vario los ángulos y hago los recortes diferentes. Una imagen más grande, de cerca, de lejos, siempre pensando que lo que me interesa es dar a la clienta una variedad de imágenes. Donc je n'hésite pas à couper par moment la maman dans le bas pour laisser un peu plus d'espace au-dessus et l'avoir plus rapprochée sur l'écran. No dudo hacer los crops como este, que es bastante recortado, donde lo que se ve es principalmente la modelo sin demasiado fondo. Donc je n'hésite pas non plus à les coucher sur le dos plutôt que de les laisser debout. On peut aussi les mettre au sol, donc couchés sur le côté, sur le dos, et on peut également faire les prises de vue par le haut directement. También no dudo en ponerla al suelo, tumbarla y coger su fotografía de diferentes ángulos tumbada. Alors, il faut penser au futur papa et aux enfants, aux aînés qui peuvent déjà être là et avoir envie de poser aussi. Donc je propose toujours que le papa et les enfants accompagnent et réalisent quelques photos avec la maman pour avoir encore une fois des souvenirs de famille en plus des souvenirs seuls. También tenemos que pensar de los papás para que ellos también tengan un recuerdo precioso de este periodo de embarazo, o si hay hermanos y hermanas, también les fotografío con tres hacia cuatro diferentes poses. Voilà, donc les papas et les enfants font vraiment partie intégrante des shootings que je propose. Papá y los niños hacen parte de la sesión de fotos. Voilà, donc je montre quelques exemples. Voy a mostrar algunos ejemplos. Avec les enfants, on essaye que ce soit toujours le plus naturel possible parce qu'ils ne sont pas toujours dans l'âge idéal pour faire des séances. Ils n'ont pas beaucoup d'attention, donc Los niños no tienen mucha paciencia, así a ellos les fotografío en las poses muy naturales. Donc j'explique toujours aux mamans quand elles viennent avec les enfants qu'elles doivent bien garder leur position et que c'est moi qui vais distraire l'enfant, qui vais essayer de jouer avec lui pour qu'il prenne la bonne position, mais la maman essaye de ne pas s'en occuper pour qu'elle soit toujours Intento dans la siempre bonne explicar a position. las madres que ellas no tienen que hacer nada en cuanto al management, digamos, de su niño, que me ocupo yo de crear la conexión entre el fotógrafo y entre el modelo. Ellas siempre les invito a que simplemente estén ahí, pero yo me ocupo de niño. Alors, je propose aussi pour ceux qui le souhaitent, il y en a pour qui les animaux sont très importants et on me demande parfois si un chien peut venir. On m'a déjà demandé un chat aussi, par exemple. Donc, en extérieur, je dis oui et les petits en studio sont acceptés.
de vez en cuando me preguntan si pueden venir con sus perros y sus gatos a la sesión. Yo en principio no tengo ningún problema con ello, pero en exteriores. En cuanto al estudio, puede venir, pero si la mascota no es demasiado grande. Voilà, parce qu'il y en a pour qui ça a beaucoup d'importance, donc j'accepte toujours dans la mesure du possible et on va essayer d'aller dehors alors pour avoir vraiment toutes les possibilités. Les petits, les gros chiens, ils peuvent, voilà, tous les animaux peuvent venir. On m'a demandé pour des chevaux par exemple. Voilà, donc ça fait partie intégrante de leur vie pour certains, c'est comme des bébés. Sí, donc, siempre digo que los animales están muy más que aceptables porque hacen parte de la familia. También me han preguntado si puede participar un caballo. Le dije que sí, pero todo esto más bien en exteriores. En estudio, repito, posible, pero que no siempre y cuando no estén muy grandes. Voilà, oui, tout à fait. Alors, donc le shooting est vraiment varié. Et j'essaie d'avoir vraiment beaucoup de robes disponibles et beaucoup d'accessoires. Donc j'ai un peu plus de 100 Intento robes. Tener bastante variedad en los atrezos, sobre todo muchos vestidos. Voilà, donc avoir des images donc avec des tenues différentes, avec des accessoires différents. On y intègre les papas, les enfants, les animaux. Donc ça va leur proposer beaucoup de choix pour leur sélection finale. Et en général, ils sont ravis d'avoir autant de possibilités. Uh-huh. Intento siempre variar las imágenes y sobre todo fotografiar en varios vestidos. Tener imágenes diferentes, tanto en términos de la captura del encuadre, como de colores, como de fondos. Intento de proponer muchas cosas para que el cliente quede contento y contento de haber realizado la sesión conmigo. Por supuesto, tenéis que respetar las preferencias de los clientes. Alors, pour les poses, ils arrivent souvent un peu anxieux. Ils ont peur de ne pas prendre bien la pose, etc. Donc, je n'hésite pas à faire toutes les poses avec eux et je n'hésite pas à leur montrer que moi, je peux le faire pour leur montrer qu'eux peuvent le faire aussi. Vale. Siempre cuando están un poco dudosas si pueden hacer cierta pose o no, primero le demuestro a ellas y le digo, mira, yo lo puedo hacer, tú también. Donc, je remontre quelques photos, quelques exemples. C'est la variété qu'on peut proposer, tant au niveau des fonds qui sont différents, que des tenues, des coupes de la robe, au tissu simple. Voilà, ils ont vraiment le choix. Ahí voy a demostrar los ejemplos de los vestidos de los cuales dispongo en mi estudio. Siempre tienen muchísima elección, tanto del punto de vista de color, del estilo de la tela, del corte. Tienen muchísima elección. Alors j'ai essayé de créer vraiment quelque chose de spécial pour mes clients qui ne trouveront pas partout. Donc j'ai la chance d'avoir un mari très bosseur qui travaille bien avec ses mains. Il m'a donc créé un anneau où je peux mettre les mamans sur une balançoire et je peux décorer en fonction des saisons ou en fonction des goûts. Et ça, elles adorent vraiment parce qu'elles trouvent ça unique. Je pense pas que j'ai compris qu'est-ce que tu veux dire quand tu as parlé de ton mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille avec bien de ses mains et il m'a créé un accessoire unique pour mes séances. Ouais. J'essaie toujours de trouver des petites choses en plus. Donc ici, il a créé un anneau que les mamans adorent et où on peut les suspendre sur une balançoire. On peut la poser debout, dedans, directement, à plusieurs. Voilà. Elles ont aussi cette possibilité-là au studio d'utiliser un accessoire qu'on ne trouve pas facilement et dont beaucoup de photographes n'ont pas. Tengo un marido que trabaja bien con sus manos y me ha fabricado este tipo de anillo que puede
donde puede, bueno, de donde se puede suspender, no sé, ponerse dentro una mujer embarazada y que gusta mucho a los clientes. Y esto creo que es un accesorio muy original, muy diferente de los demás y me trae muchos clientes. Alors, on essaye aussi de proposer voilà, des choses à chaque fois vraiment différentes. Donc, on a proposé aussi, par exemple, d'utiliser des bombes de fumée. Smoke también bombs. Hemos smoke llegado bomb, yeah. A utilizar, a ver, ¿cómo se llama? Las bombas de humo. Voilà. Voilà, on propose vraiment un large choix de possibilités pour qu'elles vraiment, elles puissent trouver leur bonheur à chaque fois. Tenemos entonces un abanico amplio de los accesorios y de los efectos, digamos, diferentes para que ellas puedan elegir, si tienen una elección amplia. Alors, il ne faut pas oublier les saisons. Ça offre des décors éphémères en fonction des saisons et ça offre aussi une possibilité en extérieur unique à chaque fois puisque la nature repousse différemment. Donc, il ne faut pas oublier de jouer avec les saisons aussi et d'accessoiriser un petit peu ces séances en fonction des saisons. Vale. Tengo en cuenta las épocas del año y tengo en cuenta que cada poco de año ofrece posibilidades diferentes para las sesiones de fotos. Por ejemplo, uno puede tener como un decor efímero en naturaleza en una época del año y en otra no. Voilà, donc je montre que j'ai été au printemps dans les tulipes, j'ai été dans les champs de fleurs, on a été à la mer en été pour avoir voilà, des décors un peu différents. Por ejemplo, puedo hacer las sesiones de fotos en los campos de flores, en la primavera. Lo siento, pero es que hay varios segundos de yo veo más tarde lo que está hablando. En un campo de los tulipanes, en el mar. Ouais, en automne, profiter des couleurs des forêts pour shooter dans les forêts en automne avec les couleurs un peu orange, comme ça voilà, c'est très joli aussi. Y en otoño me gusta hacer las sesiones de fotos, bueno, en los bosques con todos esos colores de otoño maravillosos. Alors, je vais montrer quelques photos avant après et puis on va aller dans Photoshop pour montrer les retouches. Voy a demostrar algunas fotos antes y después y luego iremos a Photoshop para hacer una edición. Voilà, donc je fais toujours attention à avoir vraiment une bonne lumière. Ça fait la moitié du travail déjà d'avoir une bonne exposition, de bien positionner sa lumière. Moi, j'utilise en studio une seule lumière. Je suis en lumière seule et en extérieur. Forcément avec la lumière naturelle, j'essaye de shooter fin de journée, avant le coucher du soleil. Si le temps est nuageux, je peux aller un peu n'importe quand dans la journée. Vale. En el estudio, por supuesto, utilizo la iluminación del estudio, pero en exteriores, pero me gusta más trabajar en exteriores. Y sobre todo hago las sesiones al atardecer. En los días nublosos, puedo trabajar a cualquier hora del día. Alors, je vais mettre Photoshop. Voy a entrar en Photoshop. Alors, je vais essayer de... Je vais réduire un petit peu pour qu'on... Si, réduit beaucoup plus, parce qu'on n'a pas besoin de me voir. Ah non, tu ne veux pas qu'on te voit. Attends. On n'a pas besoin. Voilà. Alors, donc... ici, je vais retoucher avec vous trois images. Je vais rallumer ma tablette. Voy a retocar tres imágenes. Alors. Donc, je démarre avec cette image-là. Et on va arriver à ce résultat-là, en dessous. Voilà. Voy a retocar esta imagen primero. Donc, on voit vraiment bien la différence sur la lumière. Est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? Donc, je dis, on voit vraiment la différence du travail sur la lumière. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? You can see the difference between the two
about light, highlight, yes. I just show up my highlights and down my shadows. Okay, vamos a seguir. Okay. Aquí lo que he hecho es subir mis luces altas y bajar las sombras. Alors, donc, je commence toujours les retouches par la correction de l'arrière-plan. Donc, je corrige les manques de fond ou les petites imperfections. Empiezo siempre la edición corrigiendo el fondo. Donc, j'étire avec l'outil de sélection au début. Je commence toujours par ça et je terminerai avec la fluidité. Uf, Liquify. uy, o sea que, vale, empiezo siempre corrigiendo el fondo y termino haciendo el liquify. Donc, j'ouvre la fluidité. Bueno, aquí lo siento mucho, pero es que no sé si puedo traducir, pero estáis viendo lo que ella hace, ¿no? Se ha ido la herramienta del rectangular y simplemente lo que hizo es estirar el fondo. Donc, je commence par élargir mon fond et le faire disparaître sur les côtés. Et puis, je vais juste corriger un petit peu ici le port de tête. Donc, je vais redescendre un tout petit peu l'épaule de la maman. Lo que voy a hacer es luego es ir al liquify y que voy a bajar los hombros de la mamá. Alors, je vais redonner un petit peu de mouvement au tissu sur le bras de la robe. También voy a dar algo de movimiento a la tela de los brazos de la madre. Alors, je corrige légèrement la courbe du dos pour avoir quelque chose d'élégant. Ligeramente también corrijo la curvatura de la espalda para que sea más elegante. Alors, je vais donner un peu plus de volume aux cheveux También voy a añadir algo de volumen al pelo. en utilisant l'outil, en anglais c'est Push Left Tool. Uf, C'est juste ici, là. oui, mais je ne te vois pas parce que je vois que tu travailles sur les bras. Ah oui, ok, c'est Je dois, décalé. oui, il y a une. Oui, je dois attendre un petit peu. Alors, donc, je travaille un peu le volume. Je remets toujours un peu de volume et j'ajuste un petit peu les cheveux. Sí, que lo siento mucho, pero es que hay como una diferencia de 1 minuto. Ella me explica una cosa y luego veáis otra cosa en el mismo momento, o yo lo veo. Entonces, aquí estoy todavía con el Liquify Tool para el pelo, añadiendo el volumen al pelo. Voilà. J'essaye de ne pas modifier de trop la maman. Je veux qu'elle se reconnaisse quand je vais lui envoyer la photo. Donc, j'essaye de ne pas la modifier. J'essaye juste de la. Intento de no poner demasiadas modificaciones a la mamá para que ella se reconozca al momento de verse en la foto. Alors, je vais ensuite remettre un petit peu de lumière sur les parties éclairées et je vais assombrir un petit peu les ombres. Luego voy a hacer un dodge and burn. Entonces voy a poner más luz en las luces altas y más sombra en en donde ya hay sombra. Alors, on peut utiliser les outils qu'il y a dans Photoshop, du Dodge and Burn. On peut aussi. Podéis utilizar las herramientas de dodge and burn que ya tenéis en Photoshop. Alors, moi, j'ai créé ma propre action que j'utilise et je le fais avec des courbes ici. Yo he creado mi propia acción con las curvas para hacer lo mismo. Donc, je crée une première courbe un petit peu plus haute dans les tons neutres, donc au centre. Et je crée une deuxième à l'inverse où je vais descendre un petit peu plutôt dans les tons sombres. Et je vais inverser chaque calque et pouvoir utiliser ces calques-là pour mon dodge and burn. Entonces, je vais t'attendre pour traduire ça parce que j'ai besoin de savoir ce que tu fais. Je vois maintenant. Ok. Entonces, lo que hace es subir los tonos medios en las curvas
y hacerla una máscara invertida y aplicarla sobre las luces altas. Y luego lo mismo con las sombras, bajar los tonos, medios tonos en las sombras, invertir la máscara y pintar donde ya es sombra. Voilà. Donc j'utilise une opacité assez faible, je mets mon pinceau entre 6 et 10%. Y trabajo con opacidad muy baja, entre 6 y 10, percent. Se me olvidó cómo decirlo en español. Okay. Donc je remets de la lumière où il y a déjà des parties plus éclairées. Entonces pongo la luz donde ya hay luz. Donc sur le visage, les cheveux, Sobre la cara, sobre el pelo, mais aussi sur la robe. pero también en en el vestido. Aquí veis donde lo aplica. Et évidemment sur le ventre. Y por supuesto también sobre la barriga. Et alors il faut respecter un maximum les ombres et les éclairages déjà existants. Tenemos que respetar las sombras y las luces ya existentes. Je fais aussi le bras et les doigts. También voy a aplicar la luz sobre los hombros y sobre las manos. Les petits détails sont importants. Los pequeños detalles son importantes. Je vais donc prendre la deuxième courbe, qui est la courbe plus foncée, et je vais faire pareil, et je vais remettre et accentuer les ombres. Y lo mismo voy a hacer con la otra curva, donde voy a acentuar las sombras. Voy a pintar más sombras donde ya están. Donc dans le cou, les petits plis ici au niveau de la nuque. Alrededor de la barriguita, bueno, donde veáis, donde pintar. Et alors j'aplatis mon calque. Quand j'ai terminé, j'aplatis mon image. Y luego hace flatten. Je vais ensuite faire la peau. Alors j'utilise portraiture. Para tratar la piel utilizo portraiture. Donc j'aime avoir quelque chose de très doux. Donc j'ai réglé les réglages sont faits pour avoir une peau assez velours. Et je les règle en fonction de chaque maman. Chaque maman a des peaux différentes, donc on ajuste ça en fonction des photos à retoucher. Me gusta mucho, mi gusto personal es una piel suave que da un efecto de velour, pero edito al gusto de cada madre. Alors, je fais toujours la portraiture sur une copie de mon calque, de mon arrière-plan, pour pouvoir l'appliquer uniquement où j'ai envie. Je ne veux pas que ça s'applique sur toute l'image. Donc, je peux inverser et l'appliquer où je veux, comme ça. Siempre aplico portraiture sobre una copia de la imagen para luego aplicar una máscara y aplicarlo siempre solo sobre las partes que deseo. Alors, j'essaye de ne pas toucher les cheveux, les cils, les sourcils, les lèvres et le vêtement. Intento de no tocar ni el pelo, ni los labios, ni el vestido, ni donde se aplica la máscara, que bueno, se me olvida cómo se dice eso, pero bueno, donde las partes donde hay pelo o tela. Pestañas, me refería. Donc, j'aplatis mon image, encore une fois. Otra vez, Yes, flatten image. Es que no sé cómo decirlo en español, pero bueno, saben que. Donc, je vais ensuite lui remettre un petit peu de couleur sur les lèvres et sur les joues. El próximo paso es añadir el color sobre los labios y sobre las mejillas. Alors, j'utilise simplement la balance des couleurs et je. Simplemente utilizo la balance de couleur, ¿qué quiere decir? ¿Qué esto sabe decir?
Color balance, Color color balance, balance. yes. Vale. Y para ello utilizo el balance de colores. Donc j'inverse et je viens pareil avec une opacité assez faible. Con una opacidad bastante baja. Je viens remettre un tout petit peu de couleur sur les joues et sur ses lèvres. Aplico un poco de color sobre los labios y las mejillas. Parfait. Alors, je vais ajouter une texture derrière la maman. Donc, un overlay. Ya está. Luego el próximo paso es añadir un overlay, una textura sobre el fondo. Alors, j'ajuste l'overlay à mon image et je vais aller le placer en lumière tamisée, soft light. Softlight, vale. Y entonces aplico la textura con un modo de fusión, luz suave. Alors, j'utilise moi les overlays de Lemon Sky Photography. Utilizo las texturas de Lemon Sky Photography. Et alors, je diminue l'opacité un petit peu. Ça dépend des images. C'est entre La 60 et 35-40% en général. opacidad la bajo hasta entre 35 y 60%. La opacidad de la textura. Et j'annule sur la maman. Y por supuesto la quito de la mamá. J'aplatis mon image. Flatten. Flatten, yes. Es que no sé cómo decirlo en español, lo siento, pero Et alors, aplasta la imagen. je vais regarder l'avant après dans mon historique, puisque je veux toujours savoir ce qui a déjà été fait pour me remémorer le début de l'image. Y voy a ver mi antes y después en la historia para saber ya lo que he hecho con la imagen. Ok. Alors, je vais redonner un petit peu de contraste. Voy a añadir algo de contraste. Parfait. Et je vais aller chercher le, comment est-ce qu'on dit, la chaîne des bleus. Enfin, oui. Dans les couches, je vais prendre la couche bleue, le blue channel. Ajá, y para añadir contraste, voy a utilizar el canal de azules. Voilà, oui. Alors, je vais sélectionner mon image et la copier. Espera, juste un instant, réglage, a ver, ¿cómo se dice esto en español? Réglage. In English, it's setting. But in Spanish, I don't know. Okay, entonces ella lo que va a hacer es ir a los canales, Oui? no, un segundo, no, un segundo, es que no sé cómo decirlo en español, pero veis dónde está aquí, ¿no? Couche, no, no tengo ni idea cómo decirlo, los couches, capas, Couche. las capas, perdón, las capas, en las capas elige el canal azul. Donc, j'ai sélectionné, j'ai copié l'image de Ha mon. seleccionado, ha copiado la imagen. Alors, je vais dupliquer mon fond. Donc, je vais copier mon fond. Va a duplicar el fondo. Et je vais coller. Donc, je vais Y va. appliquer ce que j'avais sélectionné juste avant dans les Blue Y va a Channel. pegar lo que ha seleccionado antes. Et alors, je vais venir le placer en lumière tamisée. Y la lumière Soft tamisée light, es leja, soft light. no, soft light, y lo va a aplicar en modo de fusión, luz suave. Et on peut voir que ça a rendu encore un peu plus de contraste. Y podéis, os dais cuenta que hemos añadido algo de contraste. Et ça augmente, ça a amené un peu plus de contraste entre la lumière et les ombres sans modifier la couleur. Hemos añadido algo de luz y sombras, pero sin modificar el color. Alors, je vais inverser mon calque et je vais l'appliquer uniquement sur le contour du visage et les cheveux.
e voy a crear una máscara de la capa, voy a invertir la máscara y aplicar el efecto solamente sobre la cara y el pelo. Et alors, je vais faire la même chose sur la ligne des cils et des sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je vais faire la même chose sur Je la ligne des vais donc, sourcils? j'ai appliqué avec le pinceau blanc sur les cheveux et le contour du visage, et je fais aussi la ligne des cils et les sourcils pour leur rendre un peu plus de contraste. Okay. Y también lo va a aplicar sobre la línea a ver, ¿cómo se dicen? Ahí, alrededor de los ojos, sobre las pestañas, eso es. Je vais corriger un petit peu la lumière sur les lèvres aussi. Donc, je vais, avec le Dodge and Burn, augmenter un petit peu la lumière sur les lèvres. El próximo paso con el Dodge and Bell también va a aumentar la iluminación de los labios. Et un tout petit peu au-dessus des lèvres aussi. Y también un poquito sobre los labios, o sea, encima de los labios. Parfait. Je vais regarder mon historique toujours pour voir le changement. Voy a mirar antes y después para ver el cambio. Parfait. Je vais juste redonner un tout petit peu de luminosité à l'image. Alors, También voy a añadir algo de luminosidad a la imagen. donc je vais prendre une courbe et je vais aller dans le bas de la courbe pour travailler les tons foncés. Voy a coger las curvas y voy a ir a los tonos, bueno, a las sombras de las curvas para trabajar los tonos oscuros. Voilà. Et je valide, je flatten my image. Y luego aplasto, no, flatten image. Alors, le avant et après. Y podéis apreciar antes y después. Alors, je vous montre les deux photos, une à côté de l'autre. Os voy a mostrar la foto antes y después. Est-ce que vous voyez? ¿Lo estáis viendo? Voilà, comme ça on voit vraiment le travail qu'on a fait. Así veis la diferencia del trabajo que hicimos. Alors, on va faire la deuxième image. Ahora vamos a editar la segunda imagen. C'est une image en extérieur, donc en Es forêt. una imagen en exteriores. Alors, comme pour le studio, je vais commencer par corriger le fond. Igual que con la foto en el estudio, voy a empezar corrigiendo el fondo de la fotografía. Donc, j'enlève essentiellement tout ce qui attire de trop l'œil et ce qui est gênant sur l'image. Y entonces voy a quitar lo que molesta el ojo en la imagen. Donc j'utilise soit l'outil pièce comme celui-ci ou l'outil tampon. Ça dépend. Por ello utilizo el patch tool, bueno, ¿cómo se dice esto? Bueno, lo que estáis viendo en la pantalla, que no tengo idea cómo se dice en español. Je sais en anglais, mais pas en espagnol. Pues je suis désolée, es que il y a le mot qui manque. Parfait. Alors, je vais ouvrir la fluidité. Liquify. El segundo paso es voy a trabajar con Liquify. Donc, je vais juste redonner un retombé plus joli à la robe. Y lo que intento hacer es dar una imagen más bonita de la del vestido.
corregir el vestido. Alors, pareil au niveau des bras. Es lo mismo que hemos hecho en el estudio. Voy a corregir los hombros, bajándoles un poco. Et je vais redonner un peu de volume aux cheveux. Y voy a añadir algo de volumen al pelo. Et je valide. Y clico y doy OK. Je vais appliquer la portraiture sur la peau. Voy a aplicar portraiture sobre la piel. Et je vais faire comme tout à l'heure, inverser et uniquement aller l'appliquer sur la peau. Y como antes, voy a añadir una máscara de la capa, invertir la máscara y solo aplicar portraiture sobre la tez. Sur les mains, un petit peu, pas de trop, et j'aplatis mon image. Alors, je vais donc faire le dodge and burn pour contrebalancer mes lumières. Donc, je vais accentuer les lumières existantes et assombrir un peu les ombres. Y el próximo paso es el mismo que hemos hecho en el estudio. Voy a hacer el dodge and burn. Eso quiere decir añadir más luz en las partes donde ya estaba la luz y oscurecer las partes que ya tenían la sombra. Donc pour le visage, je fais souvent la zone T, les pommettes et le menton, qui sont souvent les points les plus éclairés sur le visage. En cuanto a la cara, voy a iluminar las mejillas y el mentón porque suelen ser las partes ya bien iluminadas en la fotografía. Bueno, y el frente también. Et j'oublie pas la robe et les cheveux. Y no me olvido del vestido ni del pelo. Et le ventre, évidemment. Y el vientre, por supuesto. Et on termine avec la jambe. Avec quoi, pardon? Avec la jambe qui est pliée et qui Ajá, donne le. y vamos a terminar con la pierna que está apoyada. Et puis après, je passe aux ombres et je vais aller accentuer les ombres. Y enseguida voy a pasar a los hombros, voy a acentuar los hombros. Alors, ensuite, je vais travailler l'arbre qui est derrière. Luego voy a trabajar sobre el árbol. Alors, je vais raviver un peu ces couleurs. Donc, je vais Lo commencer que par voy le a vert. hacer es poner más color en el árbol. Alors, je vais commencer par la partie du bas qui est un peu plus verte. Voy a empezar con la parte más verde. Je vais dans la balance des couleurs. Voy a trabajarlo con el Color balance.
Color balance, sí, el balance de colores, el color balance, el balance de colores, sí. Et je vais aller chercher les tons foncés. Y voy a buscar los tonos oscuros. Parce qu'on voit bien sur l'image que ce n'est pas une partie très éclairée, qu'il y a beaucoup d'ombre dedans. Donc on va Porque plutôt travailler veamos ces que. tons-là. Entonces vamos a trabajar los tonos medios y los tonos oscuros porque el árbol está bastante oscuro. Alors, je vais le rendre un peu plus froid. Voy a hacerlo más frío. Quiero un color más frío. Pour accentuer cette couleur verte, verte et pas et enlever un peu le jaune qui donne la couleur chaude dans le vert que je n'aime pas trop. Voy a añadir azul y quitar el amarillo. Et alors je vais inverser et uniquement appliquer sur la partie verte que je souhaite. Y voy a crear una máscara de la capa, invertir la máscara y solo aplicar este color sobre las partes verdes del árbol. Je vais aplatir mon image. Flatten, mi imagen. Et je vais recommencer la même chose, mais pour la partie haute, pour le brun. Et là, je vais le réchauffer. Vale, y o sea que tú vas a réchauffer Donc, je vais faire le la même partie haute de de l'arbre, l'arbre, la ¿sí? partie brune, D'accord. oui. Entonces, ella lo que hizo es aplicar un color más frío a la parte de debajo del árbol y ahora va a añadir la calidez a la parte del árbol más alta. Donc j'ai inversé et je vais appliquer uniquement sur la partie haute. Entonces, oui, pardon, mais qu'est-ce que tu as fait sur le... Ah, tu as rien fait. Balance des Ah, couleurs et oui. ton foncé, j'ai réchauffé un peu avec le rouge. D'accord. Entonces, voy al balance de color, añadiendo rojo. Et puis j'aplatis mon image. Y he creado una máscara de la capa y he aplicado este rojo solamente sobre la parte alta de la imagen y he hecho el flattening. Alors, j'aimerais isoler un peu plus le sujet, donc je vais Me faire gustaría isolar un poco más el sujeto. donc je vais faire un vignettage. Donc je vais assombrir autour. Entonces, voy a hacer un viñeteo. Alors, je duplique mon calque. Donc Duplico, je copie sí. mon fond. Duplico mi capa de fondo. Et alors, je vais sélectionner l'outil de dégradé. Y voy a seleccionar un degradado, la herramienta de degradado. Voilà, je choisis le radial. Elijo un filtro radial. Et je clique sur inverser. Y voy a elegir invertir. Et je vais aller au milieu de mon image et étirer vers l'extérieur. Y voy a ir a la mitad de la imagen y estirar hacia el exterior. Alors, je vais ajouter un calque, non, un masque Voy a añadir una máscara. pour pouvoir supprimer un petit peu à certains endroits, notamment sur la maman. Para poder quitarlo de ciertas partes de la imagen, notamente de la mamá. Quand j'ai enlevé tout sur la maman à 100%, je vais descendre le flux. Donc pas l'opacité, je laisse l'opacité à 100, mais je descends le flux à 10%. Cuando quito este efecto de la mamá, bajo el flujo a 10%. Et j'augmente assez fortement le diamètre de mon pinceau. Et je vais Y venir... aumento el diámetro de... diámetro de quoi, pardon? Du pinceau de la brosse, enfin de l'outil que j'utilise. O sea que tu augmentes la brosse, non? Tal cual. I just reduced not the opacity but the flux of my brushes.
Sí, como dije antes, he bajado el flujo de mi pincel a 10%. Y Y alors, ahora estoy quitando el efecto del gradient alrededor de la de alrededor de mamá. Et j'enlève alors, j'enlève la partie sombre sur le haut de l'image où d'où va venir la lumière. Y quito el efecto del viñeteo de la parte arriba a la izquierda, es de donde va a venir la luz. Je vais remettre un peu de contraste. Voy a añadir algo de contraste. Et je vais créer maintenant l'entrée de lumière sur le haut de l'image. Y ahora voy a añadir un efecto de luz desde la parte arriba izquierda de la imagen. Alors, je vais dans les couleurs Solid Color et je choisis. Voy a entrar dentro de la herramienta de color sólido. Et je choisis une couleur plutôt claire et neutre. On pourra changer après, donc c'est pas très Y important. voy a escoger un color neutro delicado que posteriormente podríamos cambiar. Je vais cliquer sur le masque et choisir l'outil dégradé. Voy a marcar la máscara y elegir un gradient. Et je vais enlever la case inversée que j'avais cochée juste avant. Y voy a quitar el efecto invertir que he marcado antes. Et alors je vais étirer de l'extérieur de l'image vers la maman. Entonces, ahora voy a crear este efecto del exterior hacia la mamá y no como antes de la mamá al exterior. Et j'inverse. Y invierto. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Je vais Mirad el supprimer efecto. ce qu'il y a sur la maman. Voy a quitar el efecto de la mamá. Je ne veux absolument pas influencer la couleur de sa peau ou de la robe avec les réglages. Porque no quiero que este efecto se quede sobre la piel o sobre el vestido de mamá. Alors, si on veut une couleur différente après, il suffit de cliquer sur la couleur et de venir modifier en fonction de ce qu'on veut. Si luego queremos cambiar el color, pues simplemente clicamos y podemos sobre la, como ya lo muestra, para cambiar el color en posteriori. Alors, je vais redonner un tout petit peu de d'éclat à la lumière, je vais prendre l'exposition et augmenter un tout petit peu l'exposition de la lumière. Voy a añadir un poco más de exposición a la luz. Parfait, j'aplatis mon image. Flatten la imagen. Et pour terminer, je vais ouvrir Camera Raw pour terminer le réglage au niveau de la colorimétrie. Y para terminar, voy a entrar en Camera Raw Filter para trabajar los colores. Donc je vais copier mon fond avant de l'utiliser. Entonces voy a copiar mi capa de fondo para reutilizarlo. Et alors je vais dans la saturation Voy a la saturación. et je vais remettre un tout petit peu de couleur dans les oranges. Y voy a añadir algo de color en las naranjas. Et je regarde si j'ai besoin d'un peu de... Non, pas de rouge. Il n'y a pas Y besoin. voy a mirar si necesito o añadir también rojo, pero no. Voilà, juste un peu d'orange et j'ai enlevé un tout petit peu de jaune. He quitado algo de verde y he añadido algo de naranja. Je valide. Válido. Et je regarde, c'est très léger, mais c'est très bien comme ça. Je vais La remontrer. diferencia es ligera, pero me gusta mucho. Voilà, c'est un tout petit peu plus chaud. Quería dar un poco de calidez a la imagen y lo he dado. Alors, je vais montrer l'image au début et maintenant. Voy a mostraros antes y después. Voilà, on voit bien la différence. Podéis apreciar la diferencia.
Parfait. Je trouve que mon image est très bien. Il ne reste plus qu'à juste rajouter un tout petit peu plus de rouge sur les lèvres pour que ça ressorte un tout petit peu plus. Solo nos queda añadir un poco de color rojo sobre los labios. Donc, je prends la balance des couleurs et je vais augmenter les rouges, j'inverse et je peins avec un pinceau à une opacité de entre 10 et 15. Et la voy a hacer con, creo que lo va a hacer con, avec le color balance. Tu le fais avec le Oui. lèvre avec le. Ok. Et entonces, añade un poco de rojo con balance de colores, con la opacidad baja, 10%, creo. Parfait. C'est todo. Et je vais montrer donc les deux images ensemble. Ahora os pongo en evidencia lo antes y después. Voilà, le zoom avait un petit problème. Voilà, donc on voit vraiment qu'on joue vraiment sur la lumière et qu'on accentue la lumière déjà bien présente. C'est pour ça qu'une bonne lumière est très importante. Et Una buena iluminación es muy importante para la foto. Aquí hemos visto que solamente hemos acentuado la buena iluminación que ya había. voilà, ça va permettre de ne pas perdre de temps inutile à devoir corriger une mauvaise exposition. Cuando hacéis una buena fotografía dentro de la cámara, os ahorráis el tiempo en la edición. Alors, on va faire la troisième image. Ahora vamos a hacer la tercera imagen. Donc, en studio, avec un fond à fleurs. En el estudio con un fondo de flores. Donc, comme pour les deux autres, je vais commencer par corriger le fond. Como en dos otros casos, voy a empezar corrigiendo el fondo. Donc, je choisis l'outil de sélection. Empiezo utilizando una herramienta de selección. Alors, je transforme et j'étire un petit peu le fond. Transformo, bueno, juste un instant. Est-ce que tu pourras expliquer il faut que tu saches que moi, je ne vois pas ce que tu fais. D'accord, oui, donc Je dois traduire, oui, parce que je ne vois pas je suis ce que en tu fais. train Oui. de, je suis en train de, on voit mon rouleau gris au-dessus du fond, donc je le fais disparaître en étirant un peu le fond vers le haut. Lo que hago primero es pintar el fondo y utilizando la herramienta Transform, sí, y la herramienta de rectángulo, sí. Donc j'aplatis mon image et je duplique mon calque pour aller dans la fluidité. Y enseguida voy a utilizar la herramienta de Liquify. Alors, comme pour la précédente, je vais redonner un peu de volume aux cheveux. Como siempre, voy a añadir algo de volumen al pelo. Et avec l'outil je sais pas comment on dit, l'outil déformation, l'outil classique, je viens remettre donc un tout petit peu plus les bras, j'aligne un tout petit peu plus le bras. Y también, como siempre, alineo un poquito más los hombros con la herramienta. Que es la herramienta, no sé cómo se llama, pero es la séptima desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, séptima desde arriba. Sí, es para, sí, Et bajar un poco los hombros. je redonne un joli mouvement à la robe également. Y como siempre, doy algo de movimiento al vestido. Parfait. Donc, je valide et j'aplatis mon image. Flatten image. Oui. Alors, je vais juste corriger les deux petits plis, puisque c'est un fond en tissu, donc il y a un peu plus de plis que les fonds en papier. Es un fondo de tela, entonces hay bastantes, hay algo, hay más pliegues sobre el vestido que cuando hacemos fotos sobre fondo de papel, entonces les tengo que corregir también.
je vais pas ajouter de texture ici, donc c'est plus important de le corriger que lorsqu'on en ajoute où ça camoufle un petit peu certaines imperfections. Hay algo más de imperfecciones sobre el fondo porque es un fondo de tela y tenemos que quitar las imperfecciones. Alors, je duplique mon calque et je vais ouvrir portraiture. Duplico la capa, voy abriendo portraiture. Alors, je vais juste rajouter un peu de contraste ici. Voy a añadir algo de contraste. Et un tout petit peu de lumière, enfin de brightness. Y también algo de luz. Et je valide. Y valido. Je vais ajouter un masque et inversé pour appliquer sur la Añado peau. una máscara de capa la invierto para aplicarla sobre partes de la imagen solo. Bueno, lo hace directamente en Photoshop, añadido brillo y contraste, las tres. Donc dans le cou et sur les bras. Dans le cou. La nuque ici, le cou. Mais sur le visage también, ¿no? Y lo aplica sobre la cara, sobre los brazos y sobre el decolté. Decolletage. Je valide. Decolletage. Válido. Et je vais donc appliquer le Dodge and Burn. Y ahora voy aplicando Dodge and Burn. Et je vais pas appliquer le Dodge and Burn sur le fond. Je le travaillerai séparément après pour l'éclaircir un petit peu. El Dodge and Burn no voy a aplicar sobre el fondo, voy a editar el fondo de manera separada después. Donc, j'accentue les lumières déjà existantes. Como siempre, voy a añadir más luz en las partes de fotos que ya tienen luz y voy a añadir la sombra en las partes de fotos que ya tienen sombra. Je passe également donc un petit coup sur les lèvres. También añado algo de luz sobre los labios, como antes. Dans les petits plis au niveau du cou également. En el cuello, también. Sur la robe. También sobre el vestido. Le bras, les doigts, c'est important quand les doigts sont Los bien mis dedos. sur le ventre et sur la jambe pour terminer. Sobre la pierna y sobre la barriga también. Je fais pareil avec les ombres, donc j'assombris un tout petit peu, pas de trop, parce que le ventre est déjà très sombre et le bas de la jambe aussi. Donc je ne le fais pas de trop, juste un tout petit peu. Sobre la barriga y la pierna, solamente un poquito. Porque ya son bastante oscuras. Et j'aplatis le calque. Y liquify. No, liquify no, it's right in English. Excuse-moi, que je suis fatiguée. C'est pas grave. Alors, pour le fond, je vais ouvrir une courbe. En cuanto al fondo, voy a trabajarlo sobre una capa nueva.
et je vais dans le bas de la courbe pour travailler les tons sombres et je vais juste augmenter un tout petit peu. Voy a abrir las curvas y voy, excuse-moi, je vois pas la courbe. Alors, explique-moi ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. Donc j'ai été dans le bas de la courbe et j'ai augmenté un tout petit peu à ce niveau-là pour augmenter un tout petit peu les ombres et les éclaircir un petit peu pour que le fond soit un peu plus clair. Vale, voy a las curvas porque quiero mi imagen, quiero mi fondo más clarita, entonces voy a las sombras y subo las curvas, subo las sombras. Et je vais annuler sur la maman. Y por supuesto quito este efecto de mamá, como la máscara de capa. Alors, je vais augmenter un tout petit peu l'exposition pour rendre la haute lumière un tout petit peu plus peps. Pardon? Je vais donc j'ai ouvert un réglage sur l'exposition pour augmenter un tout petit peu l'exposition de la lumière pour rendre les hautes lumières un peu plus éclairées encore. Estoy al mismo tiempo añadiendo más luz sobre el vestido, también las curvas. Donc je No, vais perdón, no, perdón, perdón. ¿Esto lo haces con las curvas o con qué? Perdón. ¿Cómo Oui. tú fais, Alors, oui, comment tu fais la, parce que tu as passé de la courbe à éclairer la robe. Avec quoi tu le la fais? courbe, je l'avais. Donc, j'avais avec la courbe augmenté un petit peu dans les tons sombres. J'ai inversé. Non, j'ai annulé, pardon, sur la maman pour pas que ça Oui. éclaire la maman avec ça. Oui, Et et puis, ensuite? voilà. Et alors, je vais avec l'exposition Ah, éclairer de d'accord. manière générale l'image un tout petit peu. D'accord, très bien. Y el próximo paso es ir a la exposición y añadir más exposición sobre la modelo, sobre la mamá. Et alors pour isoler un peu plus maintenant et créer le côté un peu plus sombre, je vais faire comme tout à l'heure avec le vignettage. Añado, el próximo paso es añadir el viñeteo. Donc je vais dupliquer mon fond et choisir Duplico l'outil la capa. dégradé, radial. Y voy a ir a la herramienta gradient degradado y voy a escogerla en radial. Et je clique sur inverser Otra vez clico sobre invertir et je vais de la maman à l'extérieur de l'image. porque voy a empezar en el centro de la imagen de la mamá y voy al exterior de la imagen. Je règle l'opacité du réglage, donc je descends un petit peu, je vais le mettre à 50. Opacidad de 50. Et avec un pinceau, je vais supprimer sur une partie de l'image d'où vient la lumière. Donc je vais enlever. Y voy a quitarlo como antes de la parte de la imagen de donde vendrá la luz, donde añadiré la luz. Donc je vais enlever essentiellement sur la partie supérieure gauche et sur la partie latérale gauche. Entonces la voy a quitar de la parte izquierda arriba de la imagen, porque es de ahí donde vendrá la luz. Et j'aplatis mon image. Flatten, imagen. Je rajoute encore un petit peu de contraste. Añado algo de contraste. Et alors, je vais ajouter un tout petit peu de couleur sur les lèvres. Y añado color sobre los labios. Toujours dans les tons foncés. En los tonos oscurecidos. Oscuros. Donc, je remets mon flux à 100% et je redescends mon opacité à 10. Flujo 100%, opacidad 10. Et je peins alors sur les lèvres. Y aplico el balance de colores sobre los labios. Et vraiment un tout petit peu, ça doit être très discret sur les joues. Y más discretamente sobre las mejillas.
je vais regarder l'avant et l'après. Voy a mirar antes y después. Parfait. Je vais, pour terminer, dupliquer mon calque et ouvrir Camera Raw. Y para terminar, voy a duplicar la capa y abrir el filtro de Camera Raw. Comme tout à l'heure, je vais dans les réglages de la saturation et je vais Y augmenter como un antes, voy a ir a la saturación. et je vais augmenter un tout petit peu les oranges. Voy a aumentar las naranjas. Et un tout petit peu les tons clairs. Y los tonos claros. Voilà, parfait. Super. Alors, je montre l'avant et l'après. Ahora os voy a demostrar antes y después. Et voilà. Terminado. La retouche, oui. Alors, je pense qu'il y a des questions après. Oui, il y a des questions. Alors, je vais sortir de Photoshop. Là, je vais avoir besoin de toi parce que je ne parle pas espagnol. Oui, vamos a responder a las preguntas. Ahora, yo necesito ver las preguntas. Entonces, yo también tengo que salir de aquí, salir de Photoshop. Est-ce que tu peux salir de Photoshop? Et moi, je veux voir comment est-ce que. Oups, vamos a ver. Vale. Ok, je vois déjà une question. Si tu veux, est-ce que tu es prête à répondre? Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, très bien. Alors, comment êtes-vous là en France? Je ne comprends pas la question. Comment êtes-vous là en France? C'est génial, c'est partage international. J'adore, merci pour ce live. Tu es un top prix. Tu es en temps. Tu pourras parler des fonds que tu utilises, gris, de couleurs notamment. Puedes hablar de los fondos que utilizas, notamente de los colores? Es una pregunta de Agnès. Alors, les fonds que j'utilise, alors j'ai de base trois couleurs de fond papier, le beige, gris et blanc. Tengo tres colores de base para mí, que es beige, gris y blanco. Et alors, j'ai acheté aussi des fonds en toile et en tissu. También tengo los fondos de tela. Donc, ce sont des fonds qui sont peints à la main. Soit son fondos pintados a mano. Les fonds à fleurs viennent de chez Shades of Jade, de Jade Gao. Ah, los fondos de flores vienen de Jade Gao, Shades of Jade. Yes, et les fonds peints à la main viennent de chez Bespoke Backdrops. De dónde? D'où? C'est une créatrice. Enfin, c'est une créatrice qui est aussi photographe à Londres. Ah, y los fondos pintados a manos vienen de una fotógrafa que se encuentra en Londres y que se llama. Est-ce que tu peux repetir la de cómo se appelle? Bespoke Backdrop. Alors, je peux. Bespoke Backdrops. Yes. Très bien. Vale, ok. La prochaine question, les tenues, tu les achètes où principalement? Donde compras los vestidos? Alors, beaucoup viennent de chez Kama Props. Muchos vienen de Kama Props. J'en ai quelques-unes qui viennent aussi de chez Judy Lee. Je peux peut-être écrire les noms dans les commentaires. Oui, ella va a escribir luego los nombres de donde compra en los comentarios, pero algunos vienen de Kama Props y los otros, y les otros. Alors, c'est de chez Judy Lee, donc c'est D&G Newborn Props. Ouf, je pense que c'est mieux que tu l'écris après dans les commentaires. Ella lo va a escribir después en los comentarios, porque es que entre francés, espagnol y inglés, que estamos en un audio, ¿vale? Voilà, je viens de le mettre dans les commentaires. Oui, un segundo. Oui.
Vale. Próxima question. Tu ne fais pas de nœuds. No haces los desnudos? Si, je fais du nu, alors je peux montrer là, mais je n'en montre pas beaucoup, je garde beaucoup les photos privées pour les clients. Est-ce que tu peux... Voilà, je peux Un montrer. moment. Voilà, je montre Un moment. ici. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux ne pas montrer les commentaires de Photoshop, de Facebook, s'il te plaît? Oui. Voilà, normalement, ils ne sont plus là. D'accord, très bien. Moi, je le vois, mais moi, j'ai d'autres choses. Très bien. Alors, tu étais en train de dire que le nœud, tu l'as fait, non? Je fais du nu, mais je le garde principalement en privé avec les clients. J'en montre quand elles sont d'accord, mais beaucoup préfèrent que je garde ça en privé. D'accord. Hago desnudo, pero lo guardo para los clientes y no lo muestro, no lo demuestro por aquí. Próxima cuestión, ¿de qué material es el anillo? ¿De quoi, avec quel matériau tu as fait le, ce que a fait ton mari pour toi? L'anneau. L'anneau, si. C'est en fer. C'est soudé en fer. Hecho en hierro. Il fait 1,90 m de haut. 1,90 m. Et il est à hauteur de 1,90 m. Et il pèse. Il est hecho de fer, de hierro, si. Et si il pèse 100 kilos. Oh my God, ¿qué? Yes. Il pèse 100 kilos. Oh my God. Oh my God. D'accord. La prochaine question. Qu'utilises-tu comme objectif pour l'extérieur et quel est ton boîtier? Je ne comprends pas de boîtier. Si, l'appareil, la pregunta... c'est. J'utilise un Nikon D750. D750. Ella utiliza comme objectif. Perdona. Utiliza un Nikon 750. Et l'objectif, j'utilise un 200 mm 1.8. Non, Et 2.0, 2.0, pardon. 2.0, vale. Y sa lente es 200 mm 2.0. Wow. En studio, j'utilise un objectif 35 mm 1.4 de chez Sigma Art. Vale. Y en estudio utiliza 35 mm 1.4 Sigma Art. La próxima cuestión, ¿qué tipo de iluminación utilizas en exteriores? ¿Cómo es que tú iluminas tus imágenes en exterior? Uniquement avec de la lumière naturelle. Solo con la luz natural. Un momento, un dato que expresa la luz natural nada más. Vale, vas a dejar un video para verlo completo luego. Where's the texture from? Esta ya era la pregunta. Ella luego va a poner de dónde compra las texturas. C'est exactement ce que je me disais. Acopla la capa. Ah, Flatten. Rosana Muñoz, muchas gracias. Flatten, acopla la capa. Gracias. un momento. Otro trabajo magnífico. Gracias por la traducción. Ah, bueno, gracias. Acopla las capas. Qué visión espectacular. Genial, chulísima. Estoy buscando preguntas. Je change de choses. Tenía la piel antes de Dodge. No llegué a ver. Ah, ¿qué hizo? A la piel antes. Antes de Dodge, lo que hizo ella es utilizar el filtro Portraiture. Simplemente, j'explique que tu, avant Dodge and Burn, tu as appliqué la Portraiture. Aplicado con el Portraiture algo de suavidad, le he aplicado, esa herramienta no la conocía, Portraiture no es una herramienta de Photoshop, la cuestión si es si le Photoshop, si Portraiture fait partie de Photoshop, non, c'est un plugin, il faut l'acheter sur le site de Portraiture et l'installer, il s'installe tout seul dans Photoshop. Non, Portraiture non est partie de Photoshop, tenez que comprar comme un plugin. Je fais toute ça, c'est ce que je vais essayer vraiment super. Bajo ta voces, c'est something to. Where did you buy your Portraiture from? Donde, où est-ce que tu achètes Portraiture? Sur le site Portraiture. C'est la buscáis en la web y ponéis Portraiture.
No se escucha muy bajo, Fabio, es un placer encontrarme nuevamente. Gracias, con el hermoso tu trabajo. ¿Cómo evitas el bending? ¿Cómo evitas el bending en una foto en estudio al tocar tanto los valores de contraste? ¿Cómo tu evitas el bending, que je sais pas comment on dit ça en français, dans une photo de estudio, quand tu travailles tellement de contraste? J'ai pas compris là. Oui, moi non plus. La pregunta de Veronica Zanabria est: comment évitas el bending en una foto en estudio a tocar tanto los valores de contraste? Ella no entiende y yo tampoco. Si puedes hacer la pregunta otra vez de otra manera. Où trouve-t-on Dodge & Burns? Alors, Dodge & Burns, il est donc de base dans Photoshop, ici. Attendez, je vais le remontrer. Donc, il est dans les réglages sur la barre latérale. C'est la petite loupe. Mm-hmm. C'est comme une petite loupe. Lo encuentras en las herramientas de Photoshop a la izquierda, abajo, y es como una lupa. Una lupa. Esta es la herramienta de Dodge & Burns en Photoshop. Alors, la petite loupe, c'est pour éclairer plus. Donc, c'est pour augmenter la lumière. Et alors, si on clique dessus, il y a la petite main. La petite main, c'est pour les ombres. C'est pour accentuer les ombres. Sí, la pequeña lupa simboliza que puedes aclarar y la pequeña mano simboliza que puedes hacer la imagen más oscura. Y je crois qu'il y a plus de questions. On veut dire merci pour compacter tout travail et merci pour la traduction aussi. Je vois plus de questions, je ne vois pas. Je vois plus de questions, je ne vois pas. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on peut terminer. Bah oui, alors s'il n'y a plus de questions. Et comme on a une autre question? Si? Oui, dis-moi. Non, s'il n'y a plus de, s'il y a plus de questions, bah on peut y aller, enfin on peut quitter alors. Ok, comme on a une autre question, pues muchas gracias por haberme escuchado y estamos terminando ya. Gracias a todos. Merci beaucoup. Muchas gracias. Et peut-être dire à tout le monde que c'est important de rester à la maison pour le moment. J'ai pas l'habitude de faire des lives, c'est une première, mais avec les circonstances actuelles, ben on fait tous des petits efforts et je pense que voilà, pour s'en sortir et pouvoir refaire des photos bientôt, restons tous chez nous et partageons comme on le fait pour le moment. Muchas gracias por haberme escuchado. Lo importante es quedarnos en casa ahora mismo. Que sepáis que live no suelo hacerlo, no soy acostumbrada, era mi primer. Entonces, muchas gracias por los esfuerzos que estamos haciendo todos quedándonos en casa. Bueno, merci beaucoup. Merci a toi, beaucoup. Merci a toi, Chris. Et à bientôt. A bientôt. A bientôt. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós, adiós.